les scrappeurs et les scrappeuses, ici Camille, on se retrouve pour la troisième vidéo ouverture courrier pour mon concours. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez toute l'explication de la vidéo et du concours, n'importe quoi. Dessous la vidéo, vous avez tout, les conditions pour participer à ce concours. Voilà, je voulais repréciser parce que j'ai eu des questions par rapport à ça. Il faut être abonné à mon concours. Il faut avoir au moins commenté une ou plusieurs vidéos. Voilà, il ne faut pas être un abonné fantôme, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos qui ne mettent pas toujours de commentaires, mais moi, je ne mets pas de commentaires tout le temps. Mais si vous n'avez mis zéro commentaire de jamais, eh ben vous ne serez pas éligible de pouvoir participer. Voilà, bien évidemment, quand je ferai le tirage au sort, je vérifierai ces conditions-là, bien évidemment. Mon petit concours, c'est facile. Vous me faites une carte d'anniversaire pour homme, une carte d'anniversaire pour femme, destinée à des gens du troisième ou quatrième âge même, hein, avec écrit « Bon anniversaire » ou « Joyeux anniversaire » en français. Voilà, et vous pouvez mettre toutes les saisons, hein, automne, hiver, voilà, c'est réservé. Donc, au foyer logement pour lequel certains patients sont mes clients, mes patients. Certains, voilà, certaines personnes de la maison de retraite ne sont pas tous mes patients, mais j'offre des cartes pour tous les patients. Et puis, vu que j'en ai déjà reçu beaucoup, j'en offrirai même à mes patients, à moi aussi, puisque ça permet d'avoir un autre style. Parce que voilà, effectivement, ça fait 2 ans que c'est moi qui leur fais des cartes. Et on a un style quand même. Donc, c'était l'occasion d'avoir plein de styles différents, plein de, voilà, de cartes différentes et qui seront comme ça super contents. Voilà les conditions. Vous avez, si possible, des tailles standards 13, 13 ou 10, 15. Sauf si vous me fournissez l'enveloppe. Vous pouvez d'ailleurs me fournir l'enveloppe avec. C'est donc tant mieux, mais ne me faites pas des immenses cartes. Je peux l'accepter. Mais voilà, c'est pas... vous savez, les... pour ceux qui ne sauraient pas, en foyer logement, ils mangent ensemble le midi. Dans ce foyer logement-là, en tout cas, ils mangent tous ensemble le midi, pratiquement, oui, je pense tous. Et ils se comparent. Ah, tiens, j'ai reçu une carte. Ah, bah, toi, t'as reçu. Ils se les montrent, les cartes. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que si y en a. Voilà, si tout le monde a des cartes 10-15 et qu'il y en a un qui a une carte qui fait 15 par 15, voilà. Ça peut créer des jalousies. Oui, oui, oui. À 80, à 90 ans, ils sont jaloux du voisin. Oui, oui. Je vous l'apprends. Si vous ne le savez pas, ne travaillez pas dans ce secteur de personnes âgées, sachez qu'ils regardent, hein, voilà. Hein, ah ben ouais, vous allez chez un tel et pas chez moi. Ouais, et des fois, c'est cours de récréation. À certains moments. Voilà. Mon concours, il est jusqu'au 15 octobre, comme, parce que l'été a été rude pour tout le monde, même pour moi. Donc, ça vous laisse encore. En tout cas, tout le mois de septembre, ça va très très vite. Je ne ferai pas de prolongation. Parce que ça fait déjà un moment, ça fait déjà un mois que mon concours pratiquement... non, je l'ai ouvert, mon concours, le 15 juillet, voilà. Donc ça fait... Oui, ça fait plus d'un mois, voilà, ça fait plus d'un mois. J'ouvre les courriers, hein. Je suis en retard, j'ai plein de courriers à ouvrir, bien évidemment. Mais voilà, il n'y aura pas de prolongation, hein. C'est-à-dire le 15, c'est le 15, voilà. Si je reçois votre lettre le 16, ben tant pis, c'est que vous l'aurez posté que le... au dernier moment, et ben c'est pas grave, vous ferez un autre concours. Les lots du concours, cette fois-ci, vous aurez un bon d'achat, vous aurez des bons d'achat dans des boutiques que j'affectionne particulièrement. J'ai déjà la boutique Scrap Didi qui m'a offert un bon d'achat de 15 € pour une de vous. Voilà, avis d'ailleurs aux autres boutiques, vous pouvez aussi m'offrir un bon d'achat, ça qui ne sera pas pour moi, bien évidemment, hein, vous l'avez bien compris. Donc, évidemment, il faut que vous ayez une adresse mail ou laquelle je vous envoie le lien pour le bon d'achat. Voilà les conditions, c'est tout écrit en barre de description. C'est la troisième vidéo. On a déjà ouvert 14 participantes. Hein. La dernière fois, j'ai ouvert Sophie P du 62, Patricia G du 34, Sandrine V du 55, Catherine D du 60, Catherine R du 33, Véronique B du 28, Marie-Thérèse P du 07 et Muriel L du 66. Voilà. Donc aujourd'hui, on va ouvrir hop, quelques courriers et ça sera à partir du 15. Enfin, ça sera le 15. Voilà. Hop, comme ça, j'écris dessus et après, je vous montre la magnifique enveloppe
que je vais récupérer. Alors, je vais essayer d'effacer. Voilà, hop. Donc, vous m'envoyez une adresse mail et vous recevez donc en échange, vous m'envoyez une adresse mail. Mon adresse mail est en barre de description et vous recevez mon adresse postale en échange. C'est encore une Catherine. Encore une Catherine qui nous vient du 79. Voilà, qui m'a... Ben, j'espère que tu vas bien. Je vais parfaitement bien. C'est mon premier jour de vacances. Parce que l'autre fois, je suis partie une semaine en Italie avec mes enfants. Là, je suis vraiment en vacances. Est-ce qu'on peut être en vacances quand on a du monde à la maison? Oui, quand même. Ouais, c'est sympa. Aujourd'hui, on est allé se faire plaisir. Avec la... Il y a la petite qui est là. Voilà, c'est quand même... C'est sympa. On a bien dormi. On n'est pas stressé par le boulot. Voilà. Je vais bien me reposer. Cathy, t'inquiète pas. Elle est très, très belle, ta petite carte. Elles sont très belles. Voilà. Donc, hop. Je vous montre. Hein, il y a plein de styles différents. C'est ça qui est sympa. Et ces vidéos, elles peuvent vous servir à ça. Si vous n'aviez pas trop d'idées, regardez. Hein. C'est un joli papier avec des petits papillons. Parfait. Ça, c'est la première. Et la deuxième, eh ben, vous voyez, elle est écrite à la main. Joyeux anniversaire. On n'est pas obligé d'avoir une étiquette et tout. Le fait main va très très bien et ça plaira forcément à tous mes petites personnes âgées. Ils ne sont pas tous grand-père et grand-mère, hein. Il y a aussi des célibataires. Hein, donc voilà. Alors après, on a. Oh ben, qui c'est qui m'a offert un masque? Alors, un courrier. Nous avons un courrier de Caroline qui nous vient du 95. Alors, qui m'a envoyé une Memory Dex. Voilà, regardez. Trop, trop joli. Alors, est-ce que tu m'as envoyé des cartes? Elle m'a envoyé un magnifique... Une découpe Halloween. Ça, c'est trop chouette. Et dans la première petite enveloppe, elle m'a envoyé... Voilà, une petite carte toute simple. Voilà, joyeux anniversaire, donc qui sera pour un homme, je suppose. Après, c'est pas moi qui choisis hein, les cartes. Hein. Je donne un gros tas et une autre avec un classeur d'embossage qui est très joli aussi, qui est toute simple et qui est sympa aussi. Voilà, moi je donne à aux aides-soignantes qui s'occupent de la maison de retraite et c'est elles qui dispatchent. Hein, je ne... là, nous avons. Alors j'avais. Ah mince, j'ai pas marqué. Donc ça, c'était. Donc, le numéro 16. Hop, là, on a le numéro 17. Je remets sur mon carré après. Le numéro 17, nous avons un courrier qui nous vient de Audrey du 31. Alors. Bulldoxyscrap sur Instagram. Et elle s'appelait Haute Shopee Sun sur YouTube. Voilà, et je vous montre ces petites cartes avec la petite enveloppe. Oh oui, elle est très jolie. Regardez, voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça hein, que je vous ai demandé que j'ai fait ce concours-là. Elle est très très belle. Hein. Et puis, le pêcheur, je ne l'ai pas pris ce tampon. Hein, mais il y a des fois, vous savez, il y a des fois, on regrette des trucs. Je me demande si je ne vais pas le prendre. Il est trop beau. Ça, c'est le pêcheur de chez Schwen Flower de l'année dernière, où il y a peut-être 2 ans. Est très beau. Je ne l'avais pas pris. Peut-être qu'il va y avoir les soldes et tout ça, que je vais pouvoir, du coup, me faire plaisir. Merci à toi, Audrey. C'est super sympa. Elles sont très jolies, tes petites cartes. Après, on en était au 7, 18... Attends. D. Je suis perdue. Oh. Alors... 15, 16, 17, le 18, voilà, je vais y arriver, hein. Enfin, je me trompe. Alors, le 18, il me vient de Sylvie, qui est du 56. Alors, hop, alors, une, voilà, très jolie rouge. Les tons de rouge,
Ah, bon anniversaire est très joli. Très sympa. Vous voyez, c'est vraiment... oh, avec une petite, petite trombone en forme de petite lettre. Ça, je vais le garder. Et le plutôt masculin. Parce qu'en fin de compte, dans le foyer logement, il y a presque autant d'hommes que de femmes. Hein, parfaite. Voilà. Regardez. Avec des engrenages, une jolie ampoule. Trop chouette. Vraiment superbe. Hop. Et ben, parfait. Voilà, ça c'est lui. Super. Après, j'y arrive pas du tout. Je suis quand même un peu fatiguée. Hein. Je vous ai dit que j'étais en vacances, mais. Participation numéro 19. Nous avons Martine qui nous vient du 36. Alors. Hop. Oh, il m'a fait une petite carte. Alors, Martine, la numéro 19. Oh, elle est trop mignonne, cette petite carte avec plein de chutes de papier. Amitié. Oh, c'est trop joli avec un petit sticker. T'as oublié. Mais de toute façon, vous devrez me confirmer par mail votre adresse mail. Hein, même si vous ne me l'avez pas mis, il n'y a pas de souci. Hein, j'espère que la famille va bien. Écoute, voilà, parfait. Si j'ai le temps, d'autres cartes. Alors, il n'y a pas de... Non, alors... Elle m'a mis une petite carte, Martine. Alors, t'es pas obligée. Hein. C'est trop joli, ta petite carte, parce que tu as vu le nom de participante. Il y en a pour un sacré maman. Hein. Donc, non, non. Faites pour autour de vous, vos maisons de retraite. Voilà, très joli. Avec un petit fond de gel presse. Hein, faites autour de vous. Il y a des maisons de retraite partout et tout ça. Voilà, très joli. Profitez-en que je vous ai... ressouffler l'idée parce que c'est pas nouveau, hein, c'est pas j'ai pas inventé la poudre, hein, ça me fait toujours trop rire. Hein, des fois, vous avez quand même des filles qui vous disent ah, j'ai inventé un machin, ouais, bah c'est rare qu'on invente des trucs, hein. Puis je le dis à chaque fois, on scrappe, ça me fait toujours rire. C'est le pire quand oui, je blablate en même temps, j'ai envie, voilà. Le pire en scrap, je trouve, alors c'est peut-être, je dis en scrap, mais c'est peut-être pas que en scrap d'ailleurs, hein. Mais c'est parce que je regarde pas forcément. J'ai déjà du mal. Je suis désolée, les copines. J'ai du mal. Je regarde très peu de vidéos en ce moment. J'ai beaucoup bossé. Et ben là, j'ai du monde à la maison. Bon, c'est bien que c'est pas toujours facile. La numéro 20, qui n'a pas marqué son nom. Alors, je le disais, parce que c'est quand même assez typique de moi de comment... Dominique qui nous vient du 54, d'une ville que je connais très bien, parce que mon beau-frère y habitait. Et je disais donc, tu vas le sortir ton truc. Ça me fait toujours rire. Celles qui regardent mes vidéos, je vous en prie, si vous faites des vidéos YouTube, je trouve, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Tiens, comme ça, ça fera l'occasion, celles qui ne parlent pas beaucoup, d'exprimer un petit peu leurs opinions. Celles qui font des hauls. Moi, je fais des hauls. J'allais vous dire chaîne, mais non, je ne compte pas sur chaîne. Mais je vais vous faire une vidéo de Temu d'ailleurs bientôt. Mais j'ai pris plein de petites choses Temu que m'a offert. D'ailleurs, Temu, je les remercie, mais il faut que je fasse la vidéo, je n'ai pas eu le temps. Mais celles qui font des hauls actions ou des hauls de n'importe quoi et qui écrit vos nouveautés. Et qui vous présente zéro nouveauté ou alors une nouveauté sur 20 minutes de vidéo, je trouve ça pas honnête. Voilà. Voilà. À bon entendeur, c'est mon opinion. J'ai le droit d'exprimer mon opinion parce que c'est ma chaîne YouTube. Mais je trouve que c'est un attrape-couillon. Voilà. Et nous sommes des couillons. Parce que moi, quand je vois haul plein de nouveautés, ben je vais regarder parce que comme je ne vais pas à Action tous les jours, c'est pas tout près de chez moi, je me dis ah bah tiens, il y a peut-être des trucs super sympas. Et je me fais. Couillonner très souvent. Voilà. Donc, est-ce que c'est le jeu de YouTube, peut-être? En fait, c'est ça, hein? Ouais. Très jolie carte. Vous avez vu comment elle c'est très jolie. On était à numéro 20, Dominique.
Mettez-moi un petit commentaire là, ceux qui n'ont pas l'habitude de commenter, puis qui me disent ah, je commande pas souvent. Bah justement, profitez-en, mettez-moi un petit commentaire. Et la deuxième carte, qui est très jolie aussi, et comme ça, je vais m'arrêter là et je vais faire une autre vidéo. Et après, il faut que je le faire à manger. Elle est très très belle. Voilà. Et bien vraiment, franchement, les filles, je vous remercie encore de magnifiques cartes. Plein, plein. Je vais me commander le tambour de chou. Hein. De magnifiques idées complètement différentes. Et ça, c'est super, super sympa. Voilà. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve très vite. Bisous, bisous.